Bonjour internautatrices et internautateurs, le clan du cygne noir nous accueille de nouveau dans Geldenbourg. Nous commençons à construire un monument pour à la gloire de l'Imperium. Soit. Moi bon, ça me dérange pas. Voilà, je suis en train de préparer mes prochains. Comment mes prochaines pièces, prochaines chambres pour mes nouveaux recrutés, puisque nous commençons enfin à avoir une population un peu digne de ce nom. Voilà, donc Sleepy me fait de la construction, enfin des vêtements, boucles, ce qui est une excellente chose. Tiens, il faudrait que je pense également à faire des fauteuils, parce que c'est souvent mieux d'avoir des fauteuils quand sur les zones où les gens travaillent longuement. Donc j'ai 133 tissus, donc je peux en faire un comme ça. J'ai du cuir et du cuir léger. Hop, fais-moi du cuir fin ici. Et là, je vais mettre du cuir. Tac. Ici, j'ai pas grand-chose de très intéressant à faire pour l'instant. Et le monument est terminé. Donc, si vous avez vu, je vais devoir le protéger pendant 25 jours. Bien, si jamais une de ces parties est détruite. C'est la merde. Franchement, il est moche, hein, leur monument. Mais bon. Qui suis-je pour juger? Franchement. Je suis obligé de condamner un peu les portes. La nourriture se fait rare, mais qu'est-ce qu'il bouffe? C'est pas possible. Ouais, faut dire que mes plants de maïs. Ah oh non, pas me faire cramer tout ça. Au feu. Ça, tant qu'il pleut, en général, c'est pas un problème. Il faut que je prévoie ça également. Tac, et lumière. Hop. Et toi, t'as toujours pas d'armes à distance? Ben oui, mais je commence à être un peu sec sur les armes à distance. Alors, je pourrais imaginer faire un arc court, mais franchement, c'est tellement pourrave que... Est-ce que ça vaut vraiment le coup? Bon, toujours mieux que rien. Allez. Ah, un raid. Approchant de plusieurs côtés à la fois et qui attaque immédiatement. Alors, ceux qui sont là. Ouh, toi, qu'est-ce que tu fous ici? Lesquels vont être là en premier? Là, ils sont deux et là, il est tout seul. Et ils risquent d'arriver à peu près en même temps. Alors, eux, ils vont être obligés de passer par là. Et lui, bon, je vais. Ah, je peux essayer de convertir. Allez, debout tout le monde. Vous n'allez pas être très content, vous allez attendre un peu au froid. Attends. Toc, toc, toi, tu vas quand même me prendre une arme, défaut que. Un couteau en métal normal. Pim.
Allez, va me chercher. Ça. Je veux que Malvinette, tu fasses en sorte de convertir Sleepy. Ça m'arrangerait quand même que. Ah, zut. Voilà. Alors, qui arrive en premier, c'est le sud. Avec son arc. Malvinette à l'attaque. Bien, ça c'est fait. Et merde, ils sont déjà là. Qu'est-ce qu'il a? Il a un arc lui aussi. Ils ont tous des arcs, d'accord. Donc, Malvinette sur l'un. Drekur sur l'autre. Ça me plaît pas du tout parce que. Ah, c'est très belle place. Toi, ouais, tu commences à être pas trop mauvaise. Mais c'est quand même pas terrible comme disposition. Je vais devoir les rapprocher. Ardarine, je vais te planquer. Tac, tac. Tac. Au moins les mettre derrière des arbres. Même si c'est pas idéal. Alors. Oh, un bon artisan, grande marcheuse psychopathe. Mouais. Ouais, c'est pas terrible. Bon, ouais, ça c'est un peu chiant. Tant pis. On va quand même essayer de la sauver. Donc. On démobilise tout le monde. Qu'est-ce qui va? Broudaf, tu vas me capturer machine. Ça, tu vas me le rapporter rapidement. Ça aussi, ça aussi. Toi, autorisé pour aller dans ma zone cimetière. Et tout le monde va à l'hosto. Malvinette se déplace bien lentement. Ouais. Onyx se soigne. Ils sont tous un peu shootés. Onyx, il va falloir que tu ailles hop, soigner Riesling. Quelqu'un qui a bon goût. Riesling que nous allons tenter de recruter donc. Je pense que j'ai fait pas mal de Friendly Fire dans ce durant ce combat. La nourriture se fait rare, il me reste un peu de viande de buffalo. Bon, je vais finir mon arc court. Est-ce qu'il est comment mon arc court? Médiocre. Écoute, ce sera toujours ça de. Récure, quand tu seras en forme, tu iras me chercher ça. Peut-être falloir retourner chasser un peu. Là. Chasser de l'alpaga.
Allez, un petit peu d'ambroise en plus. J'ai jamais eu une partie avec autant d'ambroisie. J'ai un incendie qui s'est déclaré. Une infection pour Riesling. Bah, tu peux mettre un petit coup de vin dessus. Oh. Allez, va me soigner. Brio qui est pas content. Qu'est-ce qui ne va pas, Brio? Les drones psychiques qui n'aident pas. Et tu souffres. Pourquoi tu souffres? Ah oui, bah, tu t'es pris quelques coups. Ça va, c'est pas violent comme hiver quand même. Hein. C'est pas terrible ça. Ah oui, non. C'est un mode qui s'appelle Quality Builder qui nous permet en fait de faire en sorte d'avoir une qualité minimale. C'est assez pratique quand on veut avoir des trucs qui sont pas trop pourris. Voilà, c'est les chambres, c'est quand même pratique. Et voilà, et donc si la qualité n'est pas la bonne, et ben il démolit et puis il recommence. C'est plutôt pas mal. Ah, c'est dalle totémique. Je sais pas ce que c'est. Là, pour l'instant, on va rester sur des planchers en bois. Il m'a construit mon mur? Non. Pourtant, ensuite, c'était bien. Qu'il m'eût fait. Sleepy. Très efficace, ma lunette, quand même. Ça construit à vitesse grand V. Voilà. Bon, ça commence à prendre forme. L'écureuil s'est laissé apprivoiser. Ben, je suis enchanté de l'apprendre. Je suis désolé de te le dire, mais tu vas terminer la soupe. Arrive à l'état de gens très bien. Non, j'ai fait une bêtise. Oublie ce que je viens de dire. Par contre, je veux que tu. Non, non plus. Ah merde. J'étais un peu gourmand. J'ai voulu détruire. Ça, tu me démolis. Câble électrique, tu me le démolis aussi. Hop. Riesling, recruter, c'est bon. Donc Brio, tu vas pouvoir bouger ici. Et c'est qui? C'est Brécure. Mais petit dernier là, tac. Veux de la viande humaine? Bah t'en auras pas.
Non, mais je te jure. Je vais voir si ça c'est plus efficace que juste le fait d'aller causer. Ah, il faut que je réorganise mes pioles. Comme j'ai bougé l'entrée de la chambre, là aussi. Les tables de chevet doivent, tables de nuit doivent toujours être à côté de la tête du lit. Hop. C'est toujours un peu fastidieux comme travail puisque ça doit se faire, t'es obligé de le faire étape par étape. Voilà. Ça, c'est aussi que je suis un peu manié. Ah, merde! Le con, il m'a cassé la porte. Moi qui... Malvinette, au taf. Bricure s'en occupe. Bricure n'a rien à faire. Mais comment cela se fait-il? Est-ce que j'ai... Oui, alors j'ai 185 blocs de marbre. Je vais devoir décaler un peu mon mur, c'est pas un problème. Parce qu'il y a l'embrasier en plein milieu. Alors, un mur en marbre. Celui-ci, il fait 260. Ça fait beaucoup. Eh ben, quand tu pourras le faire, je serai content. Mur de marbre avec une petite porte ici, une petite porte là. Voilà. Là, on enlève le mur qui était prévu au départ. Il restera à me faire ma zone de défense ici. Je pense que je vais utiliser ces murs qui sont déjà là pour... Bah pour pouvoir profiter, faire un petit truc genre labyrinthe. Ça, tu vas me le démolir. Ça, tu vas me le démolir. Tous les gros trucs, j'en veux pas. Par contre... Ça fait quoi? Ça fait de l'esthétique. Nickel, réinstaller. Ici. Ça, tu vas me le démolir aussi. Ah tiens, j'avais oublié celui-là. Je l'avais point vu. Non, Ardarine et Onyx. Vous allez aller plutôt là. C'est quand même des meilleures chambres. Ah ben. Ah. Précure. Tiens, c'est marrant ça. Ça peut se faire de façon passive autour d'une table. Bien. Ouf, c'est un bel échec.
popularité. Hop. Nous aurions fait ça, on va faire un petit discours du chef. Hein, quand même, Konix s'affirme en tant que. Il y en a qui sont un peu bloqués à la sortie. Alors, qu'est-ce que ça donne ton premier discours? Encourageant discours du chef. Formidable, je me suis développé. Bon, je sais pas si c'est une grande réussite, mais c'est pas un échec. Va me convertir, Sleepy, toi. Il est où, Sleepy? Il est là. Allez, voilà. Tu es désormais un artiste accompli. Tu n'auras donc plus de problème quand. On tuera des Nanimox ou on cassera des Caillouxs. Cela a bien boosté son artisanat. Ça commence à le faire. Tiens, là, j'ai rien mis. C'est dommage. Là. Copier les paramètres. La nourriture se fait rare. À la chasse. Allez chasser, allez chasser, allez chasser. De l'étagne, du bouquetin. Hop. Ouais, Buffalo, c'est toujours bien aussi. Peut-être pas tous les faire. Ardoise, granit, bien. Alors. Ouais, quand on enlève les trucs au milieu, en fait, tout de suite, il y a moins de. Ah, les Buffalo est pas content. Est-ce que les autres. Wow, merde. Adarine, casse-toi. Onyx, casse-toi. Tac. Putain, ils vont vite. Bordel. Il est défoncé. Aïe 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 aïe. C'est pas bon ça. C'est pas bon du tout. Il y a 5 Buffalo après lui. Ardarine, reste avec nous. Bon. Bricure, viens avec nous aussi. Bon, le bas de combat. Il va se faire rentrer dedans. C'est très très mauvais. Regroupez-vous. Regroupez-vous. Aïe 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 aïe. Oh, pire merde, Onyx. C'est la même merde. C'est la grosse mémerde. Broudaf, recule. J'ai besoin d'une bonne soigneuse, donc Onyx, casse-toi.
Bon, il faut aller sauver Ardarine de toute urgence. Vous. Toi, tu équipes ça. Et Malvinette, qui est aussi très mal en point. Secourir, tac, tac. Secours-moi, Malvinette. Et toi, tu rentres au bercail. Tu te fais te soigner. Voilà, les mufalos, c'est pas toujours une bonne idée de les chasser. Alors, c'est la même merde pour... Ah non, Malvinette, ça va encore. Et là... Non, même Ardarine, ça va encore. Pouf! Ça a été juste. Ah si. Hop. Bon, j'avais besoin de bouffe, j'en ai. À tout malheur. Alors du coup, bah, je vais arrêter de vous chasser, hein, parce que ça va peut-être être bon. Ah bah oui. Ah putain. Non, stop. Ah oui, j'ai carrément plus du tout de bouffe là. Ouais, transporte-moi. C'est vrai que j'ai toujours un œil sur mon nombre de provisions. Non, mais c'est bon, tu vas tout de suite. Tout de suite me faire de la bouffe. Mais non, arrête de décharger ton inventaire. Non, tu vas pas manger de la viande de buffalo comme ça, toi non plus, même si t'as faim. Tu vas attendre, il y a Mamie Onyx qui est en train de préparer la bonne viande. Et quand la bonne viande sera prête, tu pourras bouffer. Voilà. C'est prêt! Mais t'es con, meuf. Mais non. Non. Drôle de sens des priorités. On aura de quoi manger jusqu'à demain. Police. Et merde. Onyx, bah oui, forcément. Forcément.
Une petite infection parce que comme elle a beaucoup bougé pendant qu'elle était malade, eh ben elle se chope une infection. Qui d'autre peut me faire du dépeçage? Qu'est-ce que non. Rio. Allez, une petite pousse d'ambroisie, ça faisait longtemps. Ça faisait longtemps. Tac. Hop. Alors, la touche tissage VHS. Donc, du coup, il me fait des pétards. Bon, bah, écoute. Tu me fais de la bouffe encore. Non, je mets le brio dessus. Hop, va te coucher. Brio, hop, à la popote. T'as combien? T'as 4, 4,18 en bouffe, c'est pas terrible. Est-ce que j'ai quelqu'un qui donne à manger? Oh! J'ai personne qui donne à manger. À ce pauvre Sleepy, apporte-lui de la bouffe. Il fit ça. Oh merde, folie furieuse. Bah oui, mais c'est ça quand on donne pas à manger. Oh. Toi, t'es une tanche. Toi, par contre, t'es bon. Bien. Allez, il y a un blessé de plus. Ça tombe bien, il venait de... Il venait de plus être blessé. Toi, tu vas me virer ça. Hop, d'accord. Capture. Tac. Et maintenant, tu vas nourrir Onyx. J'ai besoin que tu ailles le... T'es con, t'en as un de plat. Allez, mange. Soigne.
en dessous. Ok. Donc toi, il va bien que tu me fasses encore un peu de bouffe. Je vais pouvoir faire une teuf. Avec plus de grosses enceintes. Tac. Ah! Broudaf, casse-toi et va secourir Malvinette. Pourquoi est-ce qu'elle va pas bien? Wrestling, allez. On avait dit de mettre des grosses enceintes. Boum. Je sais pas pourquoi elle nous a fait un malaise. Mais... Oh putain, arrêtez de donner de la nourriture crue. Brio, la cuisiner. Et pourquoi tu donnes de la nourriture crue? Ah si, attends. Eux, ils aiment... Bah non, ils veulent pas... Champignons méprisés. Bon, eux, c'est des naturalistes. Généralement, ils n'aiment pas les... Bah oui. Pourquoi est-ce qu'elle va lui donner de la bouffe? L'a pas compris. Bon, ben comme quoi la chasse au Mufalo, c'est rigolo parfois. La chasse à la mitraillette, c'est sympa. Mais il arrive que ça se passe pas exactement comme on l'avait prévu. Voilà, donc ben, j'espère que comme l'épisode vous a plu, on voit que même quand on a l'impression que tout va bien, et ben parfois c'est un peu la merde. On se retrouvera dans un prochain épisode. D'ici là, je vous souhaite de passer une bonne journée et amusez-vous bien.